Dans cette vidéo, on va comparer donc un troisième câblage de LED. Donc là, pour l'instant, si je vais démarrer la simulation, je voyais qu'on avait câblé d'abord une LED simple, directement, une LED avec un bouton poussoir. Quand on appuyait dessus, ça l'allumait. Dès que je relâchais le bouton poussoir avec la souris, ça l'éteignait. Et maintenant, on va programmer une LED avec du code. Pour cela, donc, je vais mettre une troisième LED ici. Je vais mettre une résistance ici. Voilà. Je vais mettre donc en ohm 220. Voilà, je valide avec la souris. Et maintenant, je vais prendre un câble, donc la broche ici 12. Je vais faire mon trait coudé. Voilà. À la rigueur, je vais me dire là. Je vais mettre ce fil au niveau de la patte inclinée ici. Maintenant, je vais mettre ce fil en rouge et créer un autre fil ici entre la résistance et le moins. Donc ce fil-là, je le mets en noir. Donc voilà pour le câblage. Et maintenant, je vais mettre le code. Pour mettre le code, je vais ici enlever au démarrage, mettre pour toujours, enlever cette partie-là. Donc je vais choisir sortie. Je vais prendre définir la broche 12 en élevé. Voilà, je vais le mettre là. Je vais donc faire ici contrôle patienter pendant une demi-seconde, donc 0,5. Je vais là faire clic droit dupliquer. Je vais mettre ça là. Ça, je le jette. Et là, je vais mettre donc définir la broche en mode faible. Ce programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une boucle permanente qui va s'exécuter constamment, qui va d'abord sur 0,5 secondes allumer la LED qui est branchée sur la pin 12 ou la broche 12 de la carte Arduino et ensuite l'éteindre pendant une demi-seconde. Je vais faire donc démarrer la simulation. Et voilà. Donc je vois que cette LED-là donc s'allume et s'éteint toutes les 0,5 secondes. Celle-ci est allumée en permanence vu son câblage et celle-ci est allumée que quand je clique sur le bouton poussoir. Je relâche le bouton poussoir. Par rapport à cette LED-là, si je veux changer maintenant, je peux mettre ici 0,3 et la mettre une seconde. Et si je relance la simulation, je vois que cette fois-ci, la LED est allumée pendant 0,3 secondes et éteinte pendant une seconde.